Je suis très attaché aujourd'hui à l'Olympique Salaise Rodia, tout simplement parce que ce club se compose de trois entités par lesquelles je suis passé étant joueur de foot. Le Rodia, j'ai commencé le football à l'âge de 4 ans là-bas. J'ai suivi mon parcours à l'Étoile Sportive Rossillonnaise en évoluant donc sur les nouvelles structures du club sur le stade de la Terre Rouge. Et puis j'ai eu la chance de finir un petit bout de ma carrière au FC Salaise, qui m'a permis de connaître les trois entités et aujourd'hui de me retrouver ici en étant le vice-président du club, donc de l'Olympique Salaise Rodia, en charge du secteur sportif. Pour moi, c'était très important de pouvoir revenir aux sources, de pouvoir revenir dans mon club, on va dire, formateur, là où tout a commencé, et de pouvoir transmettre le vécu que j'ai pu avoir tout au long de mon parcours. Pour moi, ce sont des valeurs qui sont essentielles et c'est aussi important pour un jeune joueur, je pense, d'avoir modestement une référence qui a pu passer par le plus haut niveau, même si je sais qu'aujourd'hui, les jeunes générations rêvent plus d'un Mbappé, d'un Griezmann, d'un Pogba plutôt que d'un Karl Medjani. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup de choses à leur apporter. Et aujourd'hui, je suis très content et très fier de faire partie de l'Olympique Salaise Rodia.